Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo début de campagne, mais un petit peu particulière par rapport à l'habitude. D'abord, parce que nous sommes sur une bêta, donc il y a des choses qui peuvent changer entre le moment où je vous la montre et le moment de la release, hein, en fonction des différents feedbacks que vont recevoir les développeurs. La release sort dans 2 jours. On verra bien ce qui aura changé d'ici là. Si je vois quelque chose, je vous en ferai part, que ce soit dans les news de la vidéo, dans les commentaires en dessous. Ensuite, on va regarder un petit peu de qui on va parler. On va parler d'Oxiotol. Et Oxiotol, en fait, il n'y a pas de sens à faire une vidéo les 10 premiers tours d'Oxiotol. Parce que tout simplement, à partir du tour 6, l'Oxiotol est totalement aléatoire. C'est-à-dire que chacune des campagnes que vous allez faire avec lui va être ultra différente des campagnes que vous avez avec les autres. Alors, on va regarder juste vite fait les effets de la faction Fantôme de Pawax. Il peut créer des sanctuaires silencieux. Alors les sanctuaires silencieux, je reviendrai un petit peu plus en détail dessus quand je vous ferai une démonstration. Grosso modo, c'est un petit peu comme l'Empire Souterrain Skaven, sauf que ça ne rapporte pas de sous, mais ça vous apporte beaucoup de contrôle sur la carte, et je vais vous montrer comment. Ensuite, nous avons les visions des anciens. Ce sont des missions spéciales qui sont données à Oxiotl, qui lui permettent de se téléporter un petit peu partout sur la carte et qui lui permettent d'avoir un véritable impact sur la campagne. Là encore, je vais vous montrer comment ça se déroule. Climat approprié tous, c'est ultra fort. Ça rend sans doute Oxiotl parmi les meilleurs candidats du jeu pour aller faire une World Conquest, parce que bah, tout simplement, il n'y a aucun endroit où il ne soit pas chez lui. Il va avoir un entretien réduit pour les skinks et les skinks caméléons pour toutes les armées de moins 25%. Les skinks et les skinks caméléons sont très très forts chez Oxiotl, donc ben, on va en profiter à fond. Il a un bonus qui est un peu le même bonus qu'Archaon, c'est-à-dire que ses unités de skinks vont gagner des dégâts des tirs, de la vitesse, de l'attaque en mêlée et de la défense en mêlée, ainsi que du commandement pour chaque rang d'expérience supplémentaire chez les skinks. Alors, c'est du pourcentage pour la vitesse et les dégâts des tirs, et c'est un chiffre fixe pour l'attaque en mêlée, la défense et le commandement. Donc il va avoir plus 9 d'attaque, plus 9 de défense au niveau 9, plus 9 de commandement il va également, et plus 9% de vitesse, plus 9% de dégâts des tirs. Voilà, plus 9% de vitesse chez les skinks, ça veut dire qu'ils vont atteindre quand même une vitesse de 62. C'est plutôt pas mal. C'est pour toute la faction, c'est pas juste pour son armée. Ensuite, le seigneur en lui-même, Oxiotl, est immunisé aux pénalités diplomatiques des intrusions. Tant mieux, parce qu'il passe son temps à se balader sur les territoires des autres factions. Et s'il avait des pénalités diplomatiques à chaque fois, et puis tout le monde lui déclarait la guerre, je pense. Il a une embuscade magistrale qui lui permet de prendre en embuscade n'importe quelle armée de son choix. Je n'ai jamais vu rater une embuscade, tout simplement, et vous allez pouvoir le vérifier un petit peu plus tard. Des dégâts des projectiles perforants, plus 50% pour toutes les unités d'infanterie skink. Et des gains d'expérience de plus de 100% quand il combat les embêtes, le chaos. Et là, Norska, c'est en légendaire, les batailles très difficiles, l'invasion du chaos est activée, je vous retrouve sur la carte de campagne. Alors, comme toujours, observons un petit peu notre situation au départ. Hein. On a l'armée d'Oxiotl qui est là, 2 skins caméléons, 3 corps de skink à javelot, des rôdeurs caméléons et 2 guerriers saurus. Nous avons également un oracle skink. Alors, cet oracle, il a toujours quelque chose de particulier, c'est qu'il va disposer de la capacité maître du savoir. Ce skink a de peu particulièrement doué en recherche et en interprétation du savoir ancien et souvent juché sur Chloé, son fidèle troglodon. En fait, ce maître du savoir, qui ici n'a pas de nom, il s'appelle juste l'oracle des plaques sacrées, c'est en fait une référence au youtubeur Secret of Sotek, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement de son nom, enfin vous pouvez le retrouver. Et en fait, CA l'a inclus dans le jeu sous ce nom-là. Et Chloé, en fait, c'est le chien ou le chat de ce youtubeur. Voilà. Ensuite, on a à la cité de gelée de Pawax, on a un sanctuaire secret. Vous voyez, c'est la petite icône qui se trouve ici. Activer la vue des sanctuaires silencieux. Et on voit qu'on a une icône qui... enfin, un bâtiment qui diminue l'entretien de 10% pour les unités et qui augmente les revenus des pièges post-bataille dans la région locale et les régions adjacentes. Alors, ce bâtiment-là, autant vous le dire, il est très utile, on va l'améliorer assez rapidement. On va également prendre ce bâtiment, si, voilà, coût de recrutement moins 35% pour les armées locales et une durée de recrutement global réduite. Alors, recrutement global réduit, on s'en fout un peu, mais
le coût de recrutement peut aller jusqu'à moins 50%. Donc évidemment, on va le faire puisqu'il coûte pas cher du tout. On va mettre l'oracle dans l'armée d'Oxiotl et il va augmenter la mobilité de l'armée. On va faire le premier combat et je vais attribuer. Alors vous voyez, Oxiotl commence avec deux toxines très intéressantes. La première, c'est le sang de feu qui va donner des attaques destructrices, donc qui diminue les armures des adversaires. Ensuite, les munitions toxines sang de feu, ça donne des attaques enflammées. On va donner ça au premier skin caméléon et la toxine essence de crapaud. Les munitions essence de crapaud pour les unités de skin qu'il a. En fait, ce skin là, quand il va attaquer une unité, il va réduire son commandement de 12 ou de 16, je ne sais plus exactement. Donc voilà, on va faire le combat nous-mêmes parce que sinon, si on le fait en automatique, vous voyez qu'on prend trop de pertes. Donc on y va. Bonjour à tous, ici Kevin. On se retrouve donc pour la première bataille de la campagne d'Oxiotl. Medvayne m'a enfin sorti du placard. Ça faisait quelques 2 mois que j'y étais enfermé et je n'ai pas vu la lumière du jour. Mais bon, ça va mieux là pour une fois que je peux voir et faire quelque chose par moi-même. Donc, vous mettez vos skinks de cette façon. Voilà, ici, vous leur retirez à ceci le mode escarmouche. Les rôdeurs caméléons, j'ai tendance à les mettre de ce côté-ci. On va mettre Oxiotl pas trop loin des autres skinks. L'oracle skink un peu devant là. On va mettre les deux guerriers Saurus un petit peu en avant, c'est eux qui vont encaisser bien sûr le choc principal. On a 22 magie, c'est très bien, c'est parti. Donc, allez, on envoie la sauce. Alors, vous voyez que Oxiotl, il a une capacité qui s'appelle Maître Prédateur, qui lui permet d'avoir le tir embusqué, d'être impossible à repérer. Cette compétence pour moi est un petit peu pas super sur lui, parce que en fait, quand vous l'activez, il a de très très fortes chances de se faire attraper. Et c'est un petit peu le problème de la compétence, c'est qu'on ne veut pas qu'Oxiotl se fasse rattraper, il est beaucoup trop fragile pour ça. Donc une grosse partie du gameplay de l'armée d'Oxiotl va être basée sur l'utilisation du kite des skinks caméléon. En tout cas, c'est ce que vous allez voir. Et les skinks caméléon, les rôdeurs caméléon, vous voyez que je ne peux pas les faire tirer sur une unité ennemie. Vous êtes obligé de les positionner non loin de l'unité et d'attendre que les skinks se mettent à leur tirer dessus en fait. Sinon ça ne marche pas. Ouais, l'oracle skink au début de la campagne dispose uniquement du sort boule de feu. Ensuite il va avoir des sorts un petit peu meilleurs. Ah, on a les chiens qui nous ont contournés. C'est pas très grave. Les autres arrivent par derrière là. On va faire tirer ces skins sur les chasseurs maraudeurs. Et lui sur ça. Voilà. Vous voyez que les rôdeurs caméléons ont complètement mis en fuite. Hein, ils ont fait 37 morts. Ils ont mis en fuite les maraudeurs. Qui étaient déjà bien entamés par les autres caméléons. Et vous voyez qu'ils ont déjà plus de munitions. Donc on va les envoyer directement là-dessus. On va mettre Oxiotl sur le chef. Bon ça va, les chiens ont été rétamés. Là on a des skins caméléons qui sont engagés au corps à corps. Ça ne va pas super. On va essayer d'éviter de les y laisser. Parce que si je prends trop de pertes après, Medvayne il va me refoutre dans le placard. Et vous me reverrez plus avant Noël. Donc oui, parce qu'il me laisse sortir à Noël, il me donne un biscuit et un verre de lait en général. Donc, voilà, le moral ennemi est en train complètement de flancher. En tout cas, c'est ce que j'espère. On va laisser le Troglodon sur le gros. De toute façon, Troglodon n'a pas énormément de munitions. Mais il fait tellement mal que ça devrait aller. On va faire tirer un petit peu ces skins-là par ici. Eux aussi, eux aussi. Voilà. Ça commence à prendre forme. Là, on a les rôdeurs caméléons qui sont engagés contre les chasseurs maraudeurs. Alors, les rôdeurs caméléons sont pas forcément extrêmement forts au corps à corps. Hein. Ce qui est très très fort, c'est leur tir juste avant corps à corps, qui est un tir explosif. Et qui est un peu comme une charge mineure nain, mais un petit peu moins puissante peut-être. Mais le problème, c'est que vraiment, vous n'avez pas le choix avec le skink par rapport justement au fait qu'il va faire des dégâts, enfin, qu'il va tirer ses munitions ou pas. C'est pas vous qui le contrôlez, ça. Ah. Bon, ça y est, tout le monde est en fuite. On va juste poursuivre et je vais accélérer. Bon, alors, quand vous gagnez une bataille maintenant avec Oxiotl, vous avez plusieurs options disponibles. Quand vous gagnez une bataille contre des ennemis d'Oxiotl, c'est-à-dire le chaos, les Norse, les hommes bêtes, vous avez très souvent l'option collecter les matériaux qui va vous donner de la trésorerie et des munitions, donc très très bon, très très bonne pioche. Le deuxième, s'exterminer, c'est assez classique chez les hommes lézards, on gagne de l'expérience pour toutes les unités pendant un tour. Et le troisième, c'est renforcer vos unités. Donc là, on va prendre les munitions parce qu'on va en avoir besoin. Et Oxiotl va se diriger en tout premier vers les villes de Dargos et Nagrar. Puis il va revenir ensuite du côté de Chagras. On a gagné d'ailleurs une armure resplendissante.
que je vais mettre tout de suite à mon troglodon qui a quand même plus de chances de se retrouver au corps à corps qu'Oxyotol. Voilà. Ensuite, Oxyotol, son premier point, vous le lui mettez en marcheur. La cité gelée, alors, on va se mettre à la limite, pas très loin de Pawax. On va commencer à recruter. Et on va recruter tout simplement 3 skins caméléons. Vous voyez, je ne prends pas de rôdeurs caméléons. Ils ne sont pas utiles à l'heure actuelle. À la cité gelée, vous pouvez faire un peu le bâtiment que vous voulez. Mais en légendaire, moi, je vais quand même faire le bâtiment d'ordre public en premier. Parce que sinon, ça va être intenable entre la corruption et le reste. Donc, on mettra des bâtiments de... Comment ? On mettra des bâtiments de croissance dans les petites villes. Mais à la cité gelée, on va mettre l'ordre public. Du côté de l'oracle Skink, son premier point, je lui mets dans augmenter la mobilité. Parce que on a besoin d'énormément de mobilité avec l'armée d'Oxyotol. Vu l'endroit où on commence. Et enfin, à la cité gelée, vous voyez qu'il me reste 3000. J'étais pas sûr d'avoir le pillage post-bataille pour le faire, mais je l'ai. On va faire au sanctuaire silencieux ce bâtiment-là, qui va réduire l'entretien pour toutes les unités. Donc, qui va énormément m'économiser. Et puis, il est pas très long à faire, comme vous voyez, 2 tours, et c'est bon. Voilà. Au niveau de la diplomatie, alors, il n'y a pas grand-chose. Parfois, Arganes accepte un pacte de non-agression. Là on va voir si c'est le cas. Oui c'est bon. Ils acceptent jamais de vous donner des sous contre le pacte hein. Pourquoi je prends le pacte avec Arganes? Eh bien c'est tout simplement pour ne pas les avoir sur le dos dès le début. On les affrontera mais plus tard. Voilà, c'est tout pour ce tour-ci. On a deux technologies qui sont déjà recherchées, donc c'est génial. Vous voyez qu'on a plus 20% de munitions pour les skinks et les attaques empoisonnées pour toute l'infanterie. Et de la puissance des tirs augmentée, ainsi que l'attribut déploiement d'avant-garde pour toute l'infanterie skink. Et là, on va rechercher évidemment la puissance des armes pour augmenter un peu les dégâts des armes de nos skinks. Mais malheureusement, ça ne s'applique qu'au corps à corps. Rien d'autre à faire. Ce tour-ci, je vais vous présenter la vision des anciens. La vision des anciens, c'est une mission que l'on a au début et on a ensuite régulièrement des missions qui s'activent. Alors, on les reçoit par 3 ou par 4 et elles nous demandent d'aller à divers endroits de la carte. Ou pour éliminer une armée ennemie, ou pour défendre un autre sanctuaire secret, un sanctuaire caché, pardon, ou pour aller raser une colonie de l'adversaire. Parfois, vous n'êtes même pas en guerre avec cette faction, mais vous recevez la mission. Et si vous ne faites pas la mission, eh bien, vous recevez d'autres missions. Alors, cette mission, si on la réussit, on reçoit de nouvelles visions des anciens. Si on la rate, on reçoit aussi de nouvelles visions des anciens. En général, c'est beaucoup plus punitif que ça. Hein. Parfois, si on la rate, on va se retrouver avec une invasion du chaos plus forte ou des armées ennemies qui ont plus de commandement, ce genre de choses. On va recevoir également des gemmes de sanctuaire. Les gemmes de sanctuaire, c'est ce qui permet d'établir des sanctuaires silencieux sur la carte. Et on va gagner également 5000 de trésorerie. Donc on va évidemment essayer de la faire le plus rapidement possible. Comme l'IA va recruter principalement du côté de Chagras, et bien on va la laisser faire à Chagras, prendre d'Argos et d'Ingrar. Revenir à Chagras et vous allez voir qu'on va pouvoir accomplir notre première mission en moins de 10 tours. On a déverrouillé le rite de Sotek. Le rite de Sotek qu'on ne peut pas faire pour le moment, mais qui, vous voyez, coûte 6000 et permet l'usure des ennemis sur votre territoire, augmente l'attaque, la puissance des tirs, la puissance des armes de tous vos skins et augmente les chances de succès d'une embuscade. Très bon rite à accomplir quand vous en avez besoin. On va partir tout de suite sur Dargos. Allez, c'est parti. Et on va attaquer la colonie. Alors, vous voyez qu'on va faire la bataille par nous-mêmes. Parce qu'on va prendre vraiment très très peu de pertes. Vous allez voir, c'est facile comme tout. Bon, alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer tout ce que je fais. C'est une bataille tellement simple. Je pense que si vous êtes ici, vous êtes capable de la gérer sans aucun problème. Je vous montre juste mon déploiement. C'est toujours le même. Comme ça. Voilà, l'oracle un peu devant, ça c'est le groupe 1, allez. On s'en sort très bien avec 3 pertes seulement. On prend, vous faites juste occuper, hein, faites pas piller occupé. Sinon les rébellions vont arriver beaucoup trop rapidement.
On a gagné aussi un objet magique pour Oxotol, qui est pas mal pour lui parce que résistance aux dégâts et paralance projectile, plus un peu de défense en mêlée. Donc, ok, on va le lui laisser du côté d'Oxotol. Son deuxième point, mettez-le en ancienne ruse. Avec ça, il va vraiment pas rater ses embuscades. Pour l'oracle, mettez-lui un point en boule de feu. On va aller chercher assez rapidement les corbeaux chez l'oracle. Du côté de la ville de Dargos, commencez par faire le bâtiment camp de Batuskink pour récupérer un petit peu de croissance. Et on va recruter quelques unités. Alors, on n'a pas beaucoup de sous, donc on va se contenter en fait de prendre un seul skink. Alors là, j'ai déjà 5 caméléons, j'en prends 6 en général. On va peut-être même pouvoir en prendre un autre. Donc du coup, on va prendre un javelinier. Voilà, ce sera très bien. Et rien d'autre à faire pour ce tour. Tour suivant, on va s'attaquer à Nagrar. Donc, même chose, on va faire la bataille par nous-mêmes. Parce que avec, si on fait de la bataille en résolution automatique, on perd les deux Saurus. Or, les Saurus, on n'a pas de quoi en recruter avant un certain temps. Donc, on va la faire tout de suite. Comme vous le voyez, quand on tourne les skins caméléon, bah, il n'y a vraiment aucune difficulté au début. Tant que l'ennemi n'a pas de cavalerie lourde, bah, c'est gratuit, quoi. Il n'y a aucun moyen qui vous touche, donc faites les batailles vous-même, évidemment. Donc, on déverrouille le rite de férocité. On va donner un petit point en ancienne ruse à Oxotol. On va aller chercher chez son compagnon la nuit infernale. Parfait. Ensuite, on lui mettra un point pour la régénération et le point suivant dans stimuler la croissance. Alors, ce qu'il faut maintenant, c'est prendre cette ville. Or, elle va être assez lourdement défendue parce qu'il va recruter une armée full. Donc, on va essayer de la tirer à l'extérieur. Et quoi de mieux pour attirer un ennemi à l'extérieur qu'un bon seigneur tout seul. On va recruter un skink caméléon particulier, un rôdeur caméléon avec Oxotol. Et à la cité gelée, on va recruter un seigneur. Alors ce seigneur, ça va être un chef skink à crête rouge, hein, ce sont les moins chers. On va prendre le maître d'armes, un petit peu plus efficace au corps à corps. Et on va l'envoyer par ici. Alors on va avoir une... Vous avez vu que je peux recruter des chefs skink, j'en ai pas encore recruté. C'est normal, c'est parce qu'on va avoir une mission bientôt pour recruter un chef skink. Et donc j'attends un petit peu que cette mission soit disponible pour ajouter un héros supplémentaire à mes troupes. Donc... Envoyez votre skink à crête rouge par ici. L'important, c'est de mettre Oxotol dans la forêt. Vous voyez que dans la forêt, il a une chance d'embuscade de 86%. Si on le met à l'extérieur, ça tombe à 56%. Donc, mettez-le dans la forêt. Enfin. Et vous allez voir votre ennemi se ruer sur le pauvre Edanatal. Et bah, on va en profiter, évidemment, pour détruire son armée et ensuite aller prendre Chagras. Voilà, rien d'autre à faire ce tour-ci. Vous pouvez passer. Voilà, donc on a Chagras, enfin on a les Krags qui nous attaquent. Bon là, la vidéo, vous pouvez la faire en résolution automatique, hein, ça, vous n'allez pas perdre grand chose, plus quelques Saurus et quelques skinks de base. Vous faites les unités renforcées, vous récupérez quasiment tout votre manpower. Voilà, donc là on a une quête émise, remporter une bataille contre la race de la Norska, on va gagner 3000 de trésorerie. Là, ramenez votre nouveau seigneur juste à côté, on va le virer juste après, hein, parce qu'il coûte beaucoup trop cher en entretien. Mais le but c'était juste que lui soit là dans le coin. On va avoir quelques points de compétences à mettre, donc on va aller chercher le sang de la terre. On va également donner un point en ancienne ruse encore à Oxotol, et on va aller attaquer Chagra. Voilà, donc là, vous voyez, victoire à la Pyrrhus. Encore une fois, on va la faire manuellement. Je vous la mets en accéléré, je ne vous... pas vous embêter. Faites simplement occuper, hein, et vous avez toute la province. Vous avez détruit la faction. Et vous recevez une quête qui s'appelle la Serbacane dorée de
Tuhi. Alors, cette quête, en fait, ou bien on peut la faire maintenant. Et dans ce cas-là, la bataille est assez difficile. Et je trouve l'objet magique pas si fort que ça. Ou bien on peut attendre un petit peu. Moi, c'est ce que je choisis généralement. La bataille de quête se déroulera plus tard. Mes ennemis combattront sans renfort. D'autant plus qu'on aura une armée un petit peu plus costaud. Donc, c'est mon très humble conseil. Mais évidemment, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Voilà, on a gagné une bannière épouvantail, super, on a sécurisé la province et on peut faire un nouveau sanctuaire. Donc ce sanctuaire, on va pas le faire tout de suite, vous allez comprendre pourquoi. D'abord, on va donner marcheur à lui et le virer. C'est bon, il n'a rien récupéré, donc ciao. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça. Au revoir monsieur, merci pour ton aide. Ensuite, du côté d'Oxiotl, on va lui donner encore un point, donc... Faites ce que vous voulez, moi je vais lui donner fervent parce qu'il est souvent dans des provinces avec pas mal de corruption. Donc ça permet de diminuer un petit peu la corruption. On va évidemment aller chercher l'attaque éclair, hein, très important chez lui. Ensuite, on a l'oracle des plaques sacrées. Donc là, on a déjà la nuée et le sang de la terre. Je vais lui donner stimuler la croissance parce qu'on va en avoir vraiment besoin. La province est assez lente à monter. On a de quoi faire un premier bâtiment. Et moi, ce que je vais choisir, en général, c'est Dargos, parce que Dargos, si vous ne la fortifiez pas, j'ai vu que ça attirait quand même beaucoup les elfes noirs. Donc, c'est pour ça que je vais la fortifier. Au contraire, comme on va être en guerre plutôt à l'est, enfin, à l'est de notre position au départ, je ne vais pas fortifier Chagrat ni Nagrar en tout premier lieu, puisque ce sont des villes qui sont assez fréquemment visées et j'ai pas le temps, souvent, de les fortifier avant que l'ennemi n'arrive. Par contre, Dargos, j'y arrive. Donc, on va les laisser comme ça pour le moment. On a un ordre disponible. Donner l'ordre de croissance et d'ordre public. Ensuite, du côté d'Oxiotl, vous pouvez recruter encore 2 unités. Alors, moi, je vais lui mettre un skin caméléon supplémentaire. Et je vais aller chercher 2 skins à crête rouge à arme lourde. Évidemment, le plus efficace, c'est de lui mettre que des skins caméléons. Mais là, les skins à crête rouge à arme lourde, je les aime bien, c'est pas ce qu'il y a de plus opti, mais en fait ils permettent d'avoir un petit peu de ligne en conjonction avec les Saurus, même s'ils tiennent très mal. Ensuite, on va avoir au prochain tour 2 nouvelles visions, donc on va en reparler tout de suite. Voilà, on a recherché notre technologie, alors on va laisser la recherche technologique comme ça en rade. On a de quoi faire un sanctuaire silencieux et on a reçu 2 nouvelles visions. Ah, alors toutes les nouvelles visions sont en Orska. Parfois vous recevez des nouvelles visions en Sylvanie, en Lustrie, dans le sud du Vieux Monde. Et moi ce que j'adore c'est recevoir des visions dans cette zone là. Notamment les jungles de Pawlaxa du sud. Parce que c'est le berceau en fait d'Oxiotl. Et que la ville de Pawlaxa est en ruine. Donc vous pouvez aller la prendre et en général vous faire un sanctuaire là-bas, qui vous donne en fait une base de repli si les choses se passent mal dans le nord. Bon, c'est pas très grave. Alors, vous voyez que chaque vision a un petit chiffre à côté, qui correspond au nombre de tours avant lequel... au nombre de tours pendant lequel la mission est disponible. Et si vous ratez une de ces missions, eh bien vous voyez les conséquences en cas d'échec. Donc là, il faut tuer Fellman Ingerson des Skyling, on gagne 2 cornues bénies et on a un coût de recrutement réduit pour toutes les armées. Si on ne la fait pas, attaque en mêlée plus 5 pour l'armée donc de Fellman Ingerson. L'invasion du chaos aura lieu plus tôt et l'armée choisie obtient des bonus permanents, ce qui fait qu'elle sera un petit peu plus difficile à vaincre. Ensuite ici on a 2 skins caméléon bénis, un coût de recrutement réduit pour toutes les armées. Ici l'armée ciblée obtient le bonus permanent résistance ultime plus 5. Ok, pour Camaréon du chien sanglant. Ici, c'est battre l'armée de... Alors, il faut raser la colonie Hôtel des Enfants pour avoir 3 gemmes de sanctuaire et de l'intégrité. Si on rate cette mission, on va avoir un temps de résistance ennemi au siège de plus 5. Bon, on s'en fout un peu. Et l'invasion du chaos qui sera un peu plus puissante. Alors, croyez-moi, les missions qui vous disent l'invasion du chaos sera plus puissante, essayez de ne pas les rater parce que, en fait, à chaque fois qu'ils disent plus puissante, ça signifie une armée supplémentaire. Et une armée supplémentaire plus une armée supplémentaire plus une armée supplémentaire, sachant qu'on a des missions à peu près tous les 10 tours, bien si vous les ratez régulièrement et que vous en avez une ou deux à chaque fois, vous pouvez rapidement vous retrouver avec 20 armées du chaos en plus. Donc je vous conseille de les faire.
J'ai testé hein, pour essayer de voir ce que ça donnait. Le résultat a été que je me suis retrouvé vraiment en difficulté. Ensuite, on a une armée du clan Mulder, de l'entretien réduit pour toutes les unités, des gemmes de sanctuaire. Et si on ne la réussit pas, on a l'armée aura plus 15% des armes pour l'armée ciblée. Alors, on va choisir le clan Mulder. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les objectifs de la campagne de Doxyotl, c'est détruire la tribu de Corneau Rouge. Donc ça, c'est la tribu du gros chef Minotaur Torox. Le Marchemonde, c'est-à-dire Wulfric. Et le clan Mulder. Or là, parmi toutes les missions que l'on me propose, on me propose en premier d'aller détruire le clan Mulder. Alors je vérifie, c'est pas ni lui ni lui, j'espère. Avoir ce contagieux, non. C'est ni l'un ni l'autre, a priori, c'est... C'est contagé, c'est Skid. Juste vérifier. Ah non, c'est cette armée-là. Ok, alors, j'aimerais bien la faire, mais là, elle est juste à côté de Malfaux, donc elle va être difficile à attaquer. Et j'ai pas encore mon attaque éclair, donc on va regarder pour les autres. Fulman Ingerson, il a l'air d'être un petit peu au milieu de nulle part. Donc c'est lui qu'on va aller chercher. C'est parti. Voilà, Fulman Ingerson, il est là, il est à 20 sur 20 unités. Nous, on est à 19 sur 20. C'est parti, il a aucune chance. Alors, avant de l'attaquer, pardon. Je vais quand même faire un petit truc que je fais à chaque fois, c'est que je regarde avec qui il est en guerre. Donc il est en guerre avec le Marchemonde. Je vais aller voir Wulfric, je vais lui dire « Je rejoins ta guerre contre les Scaling et tu me payes. » En général, ils acceptent pas des gros paiements. On va voir 500, non. 300 peut-être. Il va pas vouloir. On va faire un petit peu moins. On va lui demander juste 100. Il va peut-être vouloir. Même pas. Bon, tant pis pour Wulfric. Dommage. Allez, c'est parti. Là, il me prédit une défaite valeureuse, moi je prédis une victoire totale. Et voilà, alors autant pour la défaite écrasante hein, que me prédisait l'IA, alors bon vu qu'on ne récupère que 4%, je vais prendre les munitions et la trésor. Ça c'est bon, alors on va faire un truc ici à l'assemblée des Grailing, j'aime bien ce point là parce qu'on a plusieurs colonies ennemies qui se trouvent à peu près au même endroit, on va faire un sanctuaire silencieux. Donc sanctuaire silencieux. Faites ça, voilà, on a fait un sanctuaire, on va récolter des gemmes au fur et à mesure pour en faire d'autres. J'ai passé quelques tours parce que les combats suivants étaient exactement les mêmes, contre le même type d'armée, etc. J'ai pas voulu non plus que la vidéo soit trop longue. Ça c'était la partie de la vidéo sur
le début de la campagne Oxyotl, donc vous avez vu un petit peu comment la mener. À partir du tour 6, elle varie pour chacun d'entre nous. Vous aurez toujours des missions différentes. J'ai recommencé la campagne au total 7 fois. Sur les 7 fois, j'ai eu 2 fois les mêmes missions. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 6 patterns possibles. Ce qui est intéressant dans la campagne avec Oxyotl, c'est que vous allez vraiment pouvoir vous balader sur toute la carte, avoir de l'impact, etc. Et on va parler de la suite de la campagne sur la vidéo suivante que j'upload en même temps que celle-là. J'ai voulu séparer les deux vidéos pour que les gens qui voulaient voir juste le début de la campagne d'Oxyotl ne soient pas embêtés par les gens qui voulaient à peu près les impressions sur la campagne d'Oxyotl. Donc j'ai fait deux vidéos différentes. Et je vous retrouve sur la vidéo suivante si vous en avez envie. Si vous nous quittez ici, je vous dis à très bientôt.